laissez-nous là, t'es ce que des gros pirates dans la vie. Le droit d'être ici, j'pète la lucarne comme Messi. Grosse taille des Nessie, cercle, Damir rétrécit, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi. C'est Dieu qui donne, j'ai tout mérité, qu'une manière de lui dire merci. Dany, aujourd'hui on tue le mal. Bâtiment 13. On y est. Le Viviro, les parias, l'enfoiré qui se plante ici est le responsable de tout. Le seul moyen qu'on a de réussir, c'est de se séparer. Je vais appeler quelques camarades. On va placer des explosifs et foutre le business du Viviro par terre. Ça va pas être facile, mais il faut que tu t'introduises là-dedans et que t'élimines ce salopard. Aujourd'hui c'est lui ou nous. On n'aura pas d'autre chance après. Dany, tu m'as aidé à ouvrir les yeux. Je fuyais Castillo, Maria, tous ces enfoirés. Maintenant, ce sont eux qui ont peur. Ça, c'est pour Talia. Ce sale taré va finir 6 pieds sous terre. On perd moins de temps avec une arme. Cet endroit, c'est un vrai bunker. Tu devras faire preuve d'ingéniosité pour entrer dans ces bâtiments. Compris. Dispersion, la cible est proche. Merde ! T'as aucune chance contre nous. Yeah!
ça mènera au toit. C'est quoi cet endroit? Des guerriers immenses se sont introduits ici. Ils sont venus détruire tout ce que nous avons construit. Tuez-les tous. Paolo, il faudrait que tu vois ça. Qu'est-ce qu'il y a, Danny? T'as trouvé quoi? Le labo del Docteur. Nous subissons une attaque terroriste. Protégez le vision. Protégez le chemin de l'Orbanie. Comme un Yaral ? Je suis juste un étudiant. Tu mérites pas de vivre. Ne tire pas, s'il te plaît, ne tire pas. Oh. Qu'est-ce qui t'a fait? Aller en enfer, Paolo. Des guerriers se sont introduits ici. Ils sont venus détruire tout ce que nous avons construit. Tuez-les tous. Ça va? Tu peux marcher? Danny. C'est la seconde fois que tu te proposes en tant que cobaye. Espèce de malade! J'ai vu les vrais effets du Viviro! Et je vais prendre un peu trop de plaisir à faire ce qui va suivre. Pas du genre à débattre, hein? Savais-tu que l'exposition à des doses concentrées de PG-240 ravageait le corps humain? Je t'emmerde! Je tue plus vite que le cancer! Sensation. Ce sont tes organes qui lâchent. Adieu, Danny. Je vais te massacrer! Tu m'entends? Impossible. Je veux pas mourir ici. Je peux plus respirer.
qu'un rat de laboratoire pour moi. Tu m'échapperas pas! Connais-tu la définition du terme contrôle? C'est opérer quelqu'un que l'on n'a pas anesthésié. Ah! Où tu te caches? La meilleure sensation au monde est de savoir un scalpel incisé délicatement la peau. Lequel de vous est le... Bordel. Ce massacré. Tu m'entends? Là, assis. Docteur. Je n'ai pas fini mon travail. Rendez-vous en enfer! Paolo, quel docteur est mort? Putain, Danny! T'as réussi! Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? T'as déjà fait tout ce que tu pouvais pour eux. Il faut partir maintenant. Du calme, mes amis! Juan arrive avec un hélicoptère! Juan? Mais comment? Paolo, on se retrouve à l'héliport. Juan, merci. Putain! Paolo rigole pas.
marre de ces conneries. Et le docteur ? Bon. Il parle d'une tragédie. La déesse de la victoire nous a choisis. Savourez tant que ça dure. Parce que dès demain, elle se tapera d'autres vénards. N'écoutez jamais Pedro Torero ? Quelle génération de blancs. Il a boucle de temps en temps ? Non. Talia ! Mon chou ! Je croyais t'avoir perdu. Mais non ! El Doctor ? Mort, autour de Castillo. T'as l'air différent. C'est parce que je me fais entendre maintenant, Talia. Ça veut dire que tu m'accompagnes à Esperanza ? Je me battrai pour toi. Je mettrai une balle dans le crâne de Castillo pour toi. Mais t'imagines pas te débarrasser de moi. C'est facile de parler de famille, d'égalité, quand on dirige pas un pays. Mm-hmm. Quand ta révolution sera finie, la mienne n'aura même pas commencé. Alors mettons ça en chanson. Bichot ? Oui, capitaine. Rien que Clara. Enfin, Répa. Je m'appelle Passe. Passe. Je pense que Radio Libertad aimerait entendre notre nouveau commandant. Ouais, pas de soucis. Tu vas dire à ces gens que Libertad était mon idée ? Merde, tu veux pas lâcher l'affaire. Je déteste cette putain de musique. C'est pas Pedro Torero. Tout à fait, Danny. La révolution vendra. Mi pueblo no aguanta más. Ay con la yara unir a mi hermano. Aquí venimos para luchar. Cher vrai Yaran, ces terroristes de malheur qui nous tourmentent n'ont pas de projet pour Yara. Ils ne veulent que semer le chaos. Diego ? Oui, papa ? Ils ne veulent que semer le chaos. Est-ce que ça va ? Tu l'as déjà utilisé. Ah. Tu l'as ouverte ? Oui, monsieur le président. Il sonne toutes les heures, président. Hola, fascista. Je la reconnais, cette voix. Mon petit cadeau t'a plu ? Vous l'avez tué ? Quelle surprise, terrorista. Et avec les infos recueillies, on a détourné 10 cargaisons de ton précieux viviro. Je vais vous poser une question, mademoiselle Garcia. Quand je serai mort et que Yara brûlera, quelle sera la prochaine étape ? Chanter en faisant la ronde autour d'un feu de camp ? Oh putain, qui est-ce qui te l'a dit, fascista ? Pour vous, c'est El Presidente ! Lancez la caméra. Je suis prêt à m'adresser à mon peuple. Papa. Quoi ? Gros plan. Ça tourne, monsieur le président. C'est avec la plus profonde tristesse que je vous annonce la mort d'un véritable héros du paradis, le docteur Edgar Reyes. Il n'était pas seulement le créateur du Viviro, mais également l'un de mes amis. Conseil d'Enessie, certes, ta mire rétrécie, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi.